una descripción general de los hechos que han ocurrido últimamente. Y bueno, todo comenzó cuando la noche del 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigían en camiones en Guerrero. Ellos venían de una colecta de recursos. Je vais commencer par un bref résumé de la situation, enfin de ce qui s'est passé. Donc, dans la nuit du 26 septembre, des étudiants donc, de l'école normale d'Ayotzinapa, qui est une école pour devenir instituteur, ils se sont dirigés vers la ville d'Iguala en bus. Et ils venaient de faire une récolte d'argent. Si, los estudiantes de las escuelas normales rurales, por lo general, son escuelas que están muy olvidadas ante el gobierno, entonces todas las actividades que ellos realizan, académicas, culturales, políticas, ellos mismos las gestionan. Entonces, esa era la noche del 26 de septiembre y ellos estaban recaudando fondos para poder asistir el 2 de octubre a la Ciudad de México, que se conmemoraba la masacre estudiantil de 2 de octubre del 68 y eran fondos para acudir a la marcha a la Ciudad de México. Et donc ces écoles rurales sont des écoles très délaissées en général par le gouvernement et que toutes les activités qui soient politiques, culturelles, ils doivent faire par eux-mêmes et les financer eux-mêmes et du coup c'est pour ça qu'ils étaient allés récolter de l'argent pour pouvoir aller à la manifestation du 2 octobre à la ville de Mexico et à la manifestation qui commémore le 2 octobre 1968, qui est un massacre étudiant qui a eu à la ville de Mexico en 1968. Entonces, es importante decir eso porque mucha gente a veces nos pregunta, pero ¿por qué el gobierno reaccionó de esa manera, no? ¿Qué estaban haciendo? Y ellos simplemente venían en sus camiones de hacer esta colecta. Ellos pasaron, justamente iban llegando a donde estaba la esposa del gobernador, que es José Luis Abarca. Su esposa se llama María de los Ángeles Pineda. Y en México la esposa de los gobernadores son en automático las que representan la oficina que atiende a la infancia en México. Entonces, en ese momento, María de los Ángeles Pineda estaba dando algo así como un informe, porque ella en ese momento se estaba, digamos, estaba preparando su campaña para la candidatura de Iguala. Donc ça c'est important de le rappeler parce que les étudiants, ils étaient à Iguala pour faire cette collecte de fonds et en fait ils sont passés à côté d'un événement politique qui était la femme du maire actuel d'Iguala. Donc José Luis Abarca c'est le maire et sa femme María de Los Ángeles. Et en fait, comme son mari est maire, elle s'occupe de l'institution pour l'enfance, en fait, locale. Et donc elle donnait un compte-rendu politique. Et ça lui permettait aussi de se dire qu'elle allait se présenter aux prochaines élections pour être elle-même maire la prochaine fois. Et c'est dans ce contexte que c'est arrivé. Oui. Et donc, lo que sucede es que ahora se sabe que esta señora, junto con el gobernador, dieron la orden a la policía municipal de, mediante códigos que manejan los narcos, hicieron una llamada con el código de detenerlos. Entonces, viene la orden directamente del gobernador y lo que procede es que un comando de policías los persigue y entonces los jóvenes se detienen porque no sabían lo que pasaba. Se bajan de los vehículos e inmediatamente la policía empieza a rafaguearlos y a violentarnos, a atacarlos de manera muy violenta, ¿no? Et donc c'est la femme du maire avec le gouverneur qui ont donné l'ordre direct aux forces de police d'intervenir. Et donc comme les étudiants passaient en bus, du coup il y a eu une attaque de la police, donc ils sont descendus et ils étaient en train de se faire tirer dessus. Ouais. Et ahí en ese momento mueren 6 personas. 4 de ellos eran estudiantes. De esos 4 estudiantes,
Uno fue encontrado al día siguiente y ese estudiante se llamaba Julio César Mondragón. Y a ese estudiante lo que pasó con él fue que le quitaron la piel del rostro y le quitaron también los ojos. Donc sur le moment, donc il y a 6 morts, donc 4 étudiants, et dans ces, de ces étudiants, il y a un étudiant, Julio César Mondragón, qui est retrouvé le lendemain sans la peau du visage et sans les yeux. Donc enfin, il lui a arraché les yeux. De los estudiantes que algunos lograron escapar, y es gracias a ellos que tenemos los testimonios que ahora cuentan para el proceso judicial, y los demás son los que nos tienen ahora aquí platicando del tema, que son los 43 estudiantes desaparecidos. Et donc il y en a quelques-uns qui ont réussi à échapper, donc c'est pour ça qu'on a pu savoir un peu ce qui s'est passé, et le reste, donc il y a toujours 43 disparus. Entonces, a partir de este momento, pasaron 6 días para que el presidente saliera a dar la cara y a pronunciarse sobre el tema. Esto es importante porque hay algunas leyes y convenios internacionales que indican que en caso de desaparición forzada, el presidente debe actuar, las autoridades deben de actuar en las próximas 48 horas. Sin embargo, tardaron más de 6 días. Donc le président de la République fédérale du Mexique a tardé 6 jours avant de réagir. Et pourquoi c'est important? C'est parce que normalement, dans les cas de disparition forcée, on considère qu'il est, enfin, qu'il est primordial qu'il y ait une réaction des autorités dans les 48 heures, en fait. Et que eux, pour un cas si grave, ils ont tardé plus de 6 jours à faire un discours, à se prononcer. Y una vez, primero, digamos, el primer discurso que empezó a manejar la presidencia fue que sí había sido un caso grave, pero que había sido un problema que correspondía al estado de Guerrero, que era un problema local. Entonces todavía tardó más días para empezar a actuar desde las instancias federales de investigación. Ouais, la première version du coup du gouvernement, c'était de dire que c'était un problème local de Guerrero, qui est un des états. Donc au sud-est, et que comme c'était un problème local, avant que vraiment il y ait une réaction en tant que telle de se mettre à rechercher les étudiants, c'est passé environ 10 jours. Et este motif, esta razón es uno de los principales motivos por los que directamente el gobierno federal es responsable, porque pasaron más de 10 días y en esos 10 días las evidencias, los rastros de la desaparición, por donde pasaron las camionetas, desaparecieron. Y es, ahora era más difícil encontrar a los estudiantes con ese intervalo de tiempo. Por eso es que se señala mucho la responsabilidad del gobierno federal. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la responsabilité, enfin qu'ils montrent du doigt la responsabilité du gouvernement fédéral, parce qu'en 10 jours, bah, y a toutes les preuves ou les possibilités de pistes qui disparaissent, en fait, qu'ils n'ont rien fait avant. Et une fois que la Procuraduría, qui est comme la agencia de investigación, asume le caso, aquí es muy interesante porque el fenómeno comienza a mostrar las contradicciones de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, porque lo primero que hace la Procuraduría es recurrir a un discurso que ha utilizado prácticamente desde el 2006 el gobierno ante masacres y ante eventos violentos. Entonces lo que la Procuraduría, la línea de investigación que manejó la Procuraduría era más o menos insinuar que los estudiantes sí fueron desaparecidos, pero que probablemente estaban relacionados con el narcotráfico. Et en fait, quand s'est prononcé le procureur de la République, enfin de fédéral, leur version, c'est une version qui a beaucoup été écoutée, enfin qu'on entendu beaucoup depuis qu'ils ont déclaré en fait la guerre contre le narcotrafic depuis 2006, et c'est de dire oui, ils ont disparu, mais c'est parce que ils avaient des liens avec les narcos, parce qu'ils étaient en relation avec le trafic de drogue, et que c'est pour ça qu'ils ont disparu. Entonces aquí en este momento las demandas del movimiento ya no son solamente exigir al gobierno porque investigue dónde están los estudiantes, sino que también empieza a haber una crítica a cómo el gobierno cada vez más es evidente que está colaborando con sectores importantes del narcotráfico
y que está evitando a toda costa llegar a la justicia y a la verdad para saber dónde están los estudiantes. C'est pour ça que les revendications du mouvement sont pas seulement le fait que le gouvernement fédéral ne cherche n'ait pas bien cherché les étudiants, mais aussi qu'il soit lui-même en relation avec le narcotrafic et qu'au lieu de vraiment de chercher les étudiants et de rétablir la justice et la vérité, qu'ils aient dit ah ben non mais bon comme c'est des narcos du coup bon, ça sert un peu à rien qu'on les cherche, ils l'avaient enfin eux-mêmes avaient cherché un peu le bâton pour se faire battre quoi, c'est un peu la version du gouvernement. Y es en esos días que ahí empiezan a crecer las manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México y al sur de México, básicamente en Guerrero. Y hay un momento muy, muy importante que en la plancha del Zócalo los manifestantes hacen una pinta enorme y la pinta dice fue el Estado. Entonces esta comienza a ser una consigna del movimiento porque justamente el gobierno lo que intenta hacer es como desde 2006 echarle la culpa a la mafia. Y este es importante porque esta fue una estrategia de militarización, de criminalización, de represión contra movimientos que había funcionado desde que empezó la guerra. Pero este punto que llegamos de Ayotzinapa muestra una crisis de esa estrategia de control social. ¿Y en cuál día, o sea, en cuál manifestación pintaron? ¿Fue el Estado? No importa, fue la siguiente, enseguida. Okay. Et en fait, après, donc, on a commencé à voir dans les manifestations qu'il y avait, que les, oui, les manifestants écrivaient, graffaient, fouet l'Estado, donc c'est la faute de l'État, et que enfin, le propre mouvement prend en compte que c'est la faute de l'État, et que justement, en reprenant. Le fait que, que le gouvernement, depuis 2006, en fait crée une répression et que à chaque fois se justifie en disant bah, comme c'est la mafia, c'est pas nous, c'est normal, il y a toute une stratégie de militarisation dans tout le pays qui a commencé au nord du pays mais qui maintenant se reproduit, bah, par exemple à Guerrero qui est un état plus du sud. Claro. Y entonces cada vez más lo que se hace evidente es una crisis del Estado. No, no solamente una crisis de un partido o una crisis del gobierno local de Guerrero, sino una crisis de Estado. Porque primero en Guerrero quienes encabezaron la masacre fue el gobernador de Iguala, que es del Partido de la Revolución Democrática, que es el partido de las izquierdas, ¿no? Ouais, donc ça montre donc une crise de l'État et pas seulement du parti, parce que donc rapidement celui qui est à la tête de la République fédérale, donc c'est Dupri, donc du parti révolutionnaire institutionnalisé qui avait été au pouvoir auparavant pendant 70 ans. Mais là, on se rend compte qu'à Iguala, c'était le PRD, donc qui est le parti supposément de gauche, et que c'est même donc avec des maires de gauche qu'il y a une répression aussi forte et et que la collusion avec le narcotrafic est possible aussi, quoi. Donc c'est pas qu'une seule crise d'un parti ou d'un État local, c'est vraiment la crise de l'État en général. Después, también lo que sigue más a la izquierda, que es el Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador, también es afectado por esta crisis porque el mismo candidato de Morena también se ve involucrado de relaciones políticas con el gobernador de Iguala. Oui, il y a non seulement ce parti, mais même des partis encore un peu plus à gauche sur l'échiquier politique sont un peu pris dans les collusions politiques qu'il y a avec justement le gouverneur d'Iguala. Y entonces, lo que queremos decir es que todos los partidos políticos, todas las instancias de gobierno, toda la policía en los diferentes niveles es alcanzada por esta crisis y desde luego que también el presidente, porque para dar un dato, en los primeros 20 meses de gobierno de Peña Nieto sumaron 36 mil muertes. Con el 6 años de gobierno de Calderón sumaron 90 mil muertes. Eso quiere decir que Peña Nieto no solamente continuó con la misma estrategia de guerra contra el narcotráfico, sino que
las muertes, las desapariciones, los feminicidios se dispararon por mucho. Et que donc la crise n'est pas seulement dans les partis, mais aussi au niveau de la police, et qu'elle arrive bien sûr au niveau fédéral, parce que les chiffres qu'il a donnés, c'est que pendant alors, les six, on considère que pendant les 6 années en fait, de guerre contre le narco de Felipe Calderón, donc le président qui était avant, il y a eu environ 95 000 morts, et que sous 20 mois de présidence de Peña Nieto, donc qui est le nouveau, il y en a 36 000. Ça veut dire que non seulement il n'a pas arrêté, mais qu'en plus ça se fait à un rythme enfin, d'une violence qui s'accélère, et qui, donc en termes, voilà, de, donc ça c'est juste les morts, mais après on pourrait aussi, donc les disparitions bien sûr, les féminicides, enfin il y a tout un cercle de violence qui est en place. Oui. Entonces, eso es lo que se alcanza a ver desde las movilizaciones, que por otro lado hay que mencionar que las movilizaciones tenía tal vez desde 1994, con el alzamiento zapatista, que no había movilizaciones tan grandes en las calles. Y, y eso. Que les movilizaciones, les manifestaciones que ha habido, a regrouper des chiffres, hein, un nombre de personnes assez considérable, et ils considèrent qu'il y en a plus que, enfin il y en a à peu près qui sont comparables avec les chiffres qu'il y avait pendant le soulèvement zapatiste, donc en 1994, mais que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu des manifestations aussi grandes, quoi. Y bueno, lo que se ha hecho han sido jornadas globales por Ayotzinapa. Hasta ahora van 7 jornadas globales y hemos pasado diciembre y todavía el movimiento sigue. Los sectores que se han aglutinado son prácticamente todos los sectores de la sociedad: campesinos, trabajadores, estudiantes, trabajadores de la educación. Ha sido un movimiento popular muy amplio y todavía sigue. Donc, les formes de mobilisation, donc, ça a été des journées globales pour Ayotzinapa, donc qu'il y en a eu 7, parce que ça fait plus de 3 mois qu'il n'y a pas de nouvelles des 43 disparus, et que ces événements regroupent tous les secteurs de la société. Parce qu'il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a beaucoup aussi de travail de l'éducation, donc tout ce qui est professeur, et des secteurs populaires en général. Ah. Entonces se han organizado en la Asamblea Nacional Popular, que ha hecho hasta ahora 7 asambleas, y si no mal recuerdo, en la séptima asamblea fue cuando se acordó hacer una nueva constituyente para construir un gobierno obrero y popular. Entonces esto se decidió en la Asamblea Nacional Popular, que aglutina a los normalistas, a los padres de los normalistas y sobre todo a trabajadores de la educación. Donc ils se sont organisés en tant que Assemblée Nationale Populaire, et donc qui se sont réunis 7 fois, et lors de la dernière ils sont accordés pour parler de l'écriture, enfin la possible écriture de constituante, enfin de former constituante pour un estado obrero y... Non, un gobierno obrero y popular. Ah, pour un gouvernement ouvrier et populaire. Entonces, este tipo de programas de lucha que se han estado concretando en la Asamblea Nacional Popular, más al sur de México, lo que se intenta es que se lleven a cabo en todo el país. Pero sobre todo cuando estos acuerdos llegan al centro de México, lo que tenemos ahí es las asambleas interuniversitarias, que hasta ahora han aglutinado a la mayoría de las universidades de la ciudad. Para dar un dato, en el paro estudiantil de 20 de septiembre pararon 80 escuelas, y más aparte 44 escuelas del Politécnico Nacional, que también se encontraba en huelga. Entonces está la Asamblea Nacional Popular en el sur, y en el centro de la ciudad tenemos la Asamblea Interuniversitaria. Donc l'Assemblée Nationale Populaire, c'était plus quelque chose qu'il y avait dans le sud, donc vers Guerrero, et qui est arrivé quand on arrive à Mexico, enfin donc plus dans le centre du pays, se lie avec l'Assemblée Interuniversitaire,
qui a regroupé énormément d'écoles et d'universités, donc qui parle de 80 écoles de la ville et des alentours, donc ce qu'on appelle el Valle de México, et plus 44 écoles qui font partie de l'Institut Polytechnique National, donc qui n'est pas le Polytechnique d'ici, qui est une grande université publique. Oui. Et bueno, qui était déjà en grève pour sa part depuis le début de l'année. Sí, y entonces el problema es que las demandas más radicales como la formación de un gobierno obrero y popular todavía no han alcanzado como la correlación de fuerzas necesaria. Entonces, básicamente las acciones han redundado en toma de casetas de autopistas. Se intentó hacer un cerco al aeropuerto, paros estudiantiles, marchas, bloqueos. Esas han sido las acciones que por un lado han sido redundantes, pero por otro lado han sido las que han mantenido vivo al movimiento. L'idée de former un gouvernement ouvrier populaire n'arrive pas encore à toute la coordination de force, et que du coup, pour l'instant, en gros, les actions qu'ils ont faites, c'est des prises de péage, en gros, donc ils prennent le péage et ils laissent passer les gens gratuitement en leur demandant enfin s'ils peuvent participer. Ils ont fait des manifestations, des blocages, des grèves étudiantes, pardon, et aussi de travailleurs, des travailleurs donc à la fois du secteur de l'éducation mais aussi de l'électricité. Et voilà. También, entonces, hay que decir que las movilizaciones han sido enormes, multitudinarias, pero también hay que decir, por otro lado, que las condiciones de lucha hoy en México son difíciles de describir porque, o sea, para darnos una idea, hoy en día marchar en la Ciudad de México implica un riesgo enorme de ser detenido. En las últimas manifestaciones ha habido entre 20 y 30 detenidos, y con la novedad de que ahora los detenidos son llevados ya no al Ministerio Público, sino que son llevados a la CEIDO, que es como la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada. Entonces, los manifestantes son llevados allá, a esta oficina, y se les imputan delitos como terrorismo, ataques a la paz pública, que incluso no llegan a alcanzar la libertad bajo fianza, ¿no? Entonces, esto implica un desgaste enorme del movimiento porque implica recaudar fondos, hacer campañas por libertad de presos políticos, hay huelgas de hambre. Entonces, las condiciones son eso. Et que même si les manifestations ont été très grandes et suivies par beaucoup de monde, il faut savoir que les conditions en ce moment pour participer à une manifestation au Mexique sont très difficiles. C'est-à-dire que à chaque manifestation, il y a des arrestations, mais qu'en plus, au lieu de les amener au commissariat, comme ils faisaient avant, en fait, ils les amènent directement à la à la branche de la police qui s'occupe de la délinquance organisée et de la drogue, et que du coup ils peuvent être directement imputés de terrorisme, d'attaque contre la sûreté de l'État, et que ce sont des délits qui en plus ne peuvent pas être en liberté sous caution. Donc, et même il y a eu des cas où ils les ont emmenés directement des interrogatoires aux prisons de haute sécurité dans d'autres états en plus du Mexique. Et donc ça suppose beaucoup d'efforts pour le mouvement, pour arriver à sortir les prisonniers, donc soit beaucoup de sous et beaucoup d'énergie, il y a des grèves de la faim, enfin il y a toutes sortes de trucs qui sont mis en place, mais que du coup ça fait... qui a beaucoup, beaucoup d'énergie qui a investi dans seulement récupérer les personnes qui étaient dans le mouvement, quoi. Sí, podemos dar, hay un montón de presos políticos hoy en día o estudiantes que han sido, o manifestantes que han sido detenidos, pero podemos dar un ejemplo para darnos una idea de lo que está pasando en México.
al compañero Sandino de la Facultad de Filosofía y Letras en diciembre. En diciembre él salía de la facultad, salía de estudiar, y lo que pasa es que afuera de Ciudad Universitaria lo alcanza un automóvil blanco, digamos, no tenía ninguna insignia de ser policía. Entonces, personas vestidas de civil lo meten al carro, lo golpean, y a él lo llevan por muchos kilómetros a la oficina del ASEIDO, con los pies afuera colgando, y bueno, es maltratado, lo torturan, le hacen preguntas, le quitan su teléfono para investigar los contactos de Facebook, y este modo de operar ha sido recurrente en la Ciudad de México. Oui, et que bah, pour donner un exemple, un des étudiants de la UNAM, enfin, de la faculté de lettres, il sortait de cours, donc il y a des personnes en civil qui l'arrêtent juste à la sortie de l'université, et ils l'arrêtent et le mettent dans une voiture, donc qui n'avait pas de plaque, enfin une voiture banalisée, et qui démarre, le frappe, voire lui pose des questions, mais il avait toujours les pieds qui sortaient de la voiture et qui roule pendant 3 km avec... Enfin voilà, c'est les méthodes qu'ils utilisent aujourd'hui pour récupérer des personnes qui pensent qu'ils sont... Enfin, alors qu'ils avaient... Alors le pire, c'est qu'ils avaient un ordre d'appréhension en plus. Enfin, il y avait la catégorie légale, mais ça suffit pas. Enfin, c'est vraiment l'idée... De terreur, non, de peur, de donner la peur à tout le monde, quoi. Y bueno, eso es como el panorama general, y son las condiciones que tenemos de lucha, y hay otra lucha que es al interior del movimiento, ¿no? Porque es un movimiento que se compone desde la iglesia que se pronuncia, desde los propios gobernadores, desde estudiantes, desde el reformismo, desde propios diputados, pero también grupos que han sostenido luchas radicales como el magisterio, los profesores, muchos campesinos, muchos trabajadores, en las mismas universidades, grupos que han militado siempre desde el socialismo. Entonces hay un espectro muy amplio de horizontes de lucha en el movimiento, y al interior del mismo movimiento se está luchando por las consignas. Y ahorita digo cuáles. Que l'autre lutte elle se trouve à l'intérieur même de la lutte, parce qu'en fait dans ce mouvement de Ayotzinapa il y a à la fois des secteurs par exemple de l'église ou même des secteurs enfin de partis politiques qui prennent position et qui disent non, mais que du coup ça se retrouve dans les mêmes assemblées. Il peut y avoir donc un réformisme certain, enfin plus ou moins grand, avec après des secteurs paysans, des secteurs de travailleurs, des secteurs étudiants plus orientés au socialisme, et que du coup le spectre est très grand, et que ils se battent aussi pour les consignes. Enfin les consignes, c'est les revendications. Sí, entonces las reivindicaciones van más al centro. Hay muchos sectores que se están limitando solamente a exigir al mismo gobierno justicia, y que aparezcan los estudiantes, ¿no? Y que se castigue a los militares que participaron, y que se castigue a los gobernadores que participaron, que se castigue a los policías, pero no dejan de contemplar al Estado como todavía un agente con el que se puede dialogar. Siguen reconociéndolo como una autoridad, ¿no? Y esta postura es muy grande. Después hay otra más a la izquierda que dice, bueno, no podemos exigirle al Estado que nos devuelva a los estudiantes, porque fue el Estado quien nos desapareció, ¿no? Entonces... Este tipo de demandas más radicales llevan a decir que se vayan todos, fue el Estado, queremos un nuevo gobierno. Donc que plus au centre il y a la position qui est de demander à l'État la justice, et enfin d'exiger de l'État qui rende justice et qui trouve les coupables, qui punissent les militaires qui ont participé, enfin les militaires, les policiers, les gouverneurs, enfin tous ceux qui ont fait partie de ce massacre.
et qui, mais qui reconnaît toujours l'État comme un interlocuteur et qui rend justice. Et qu'après, plus à gauche, il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas demander à l'État qu'il rende justice sur un crime qu'il a lui-même commis. Et que du coup, bah, c'est les secteurs qui disent que, bah, que se vayan todos et qu'ils s'en aillent tous, non, que tout le monde dégage. Et qui donc qui demande justement le fait que ça soit d'autres, enfin une autre forme de gouvernement qui arrive en place. Y bueno, básicamente es el panorama general. Así está, digamos, la hoy en día, justamente en estos días se está cada vez manejando una especie de tesis que apunta hacia que los estudiantes no fueron calcinados por el crimen organizado, sino que lo más seguro es que fueron calcinados en crematorios del ejército. Entonces, estas son tesis que han manejado algunos científicos de la UNAM, y entonces se les ha pedido al mismo ejército que abra las instalaciones para poder hacer una investigación. Y por un lado, estos investigadores de la UNAM que apuntan a esta tesis han sido amenazados, y por otro lado el ejército se ha mostrado muy pues muy a la negativa de dejarse investigar. Ouais, voy a contextualizar un poco, sí, más, ¿no? Porque es que, en fait, ce qui se passe, c'est que on parle de thèses différentes, mais en fait déjà le gouvernement, en fait, au bout de 2-3 semaines, ce qu'il a rendu comme sa réaction. Ouais, sa réaction, enfin sa version des faits, c'était que c'était donc la police et les narcos qui ont pris les étudiants, et que en fait les étudiants, donc que ce soit les narcos qui les ont tous tués et qui les ont tous fait brûler dans une décharge publique. Et donc ça, c'est la version qu'ils ont rendue parce qu'ils avaient pris, il y avait 3 personnes qui étaient en interrogatoire et qui en gros ont dit oui, non, on les a tous tués et on les a tous fait brûler, non. Sauf qu'il y a plein de voix qui contestent cette version parce que bon, c'est un peu morbide, hein, mais en gros c'est de dire pour arriver à faire brûler jusqu'aux os 43 personnes dans une décharge publique dehors sous un temps de pluie, c'est pas possible en fait. Et que en gros les parents des victimes et même beaucoup de gens disent que cette version elle est pas vraie. Du coup, il y a une nouvelle version qui est. Enfin, une nouvelle version, il y a donc des versions qui s'opposent, on va dire, et des chercheurs de la UNAM sont en train de dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont fait brûler par l'armée, en fait, par l'armée, dans leur caserne, ils ont brûlé, enfin, ils ont des crématorios, des crématoires de l'armée qui auraient brûlé les étudiants. Et donc, par rapport à ça, bah, du coup, ils demandent au fait que l'armée soit. Enfin, qu'il y ait une recherche qui soit faite dans ces crématoriums pour voir si c'est vrai. Ces chercheurs ont été donc menacés, et bien sûr, l'armée refuse totalement de faire. Voilà, qu'il y ait ces recherches qui soient faites, quoi. Bueno, en México el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Entonces, eso, ¿no? Entonces sí, está subordinada a órdenes de la presidencia directamente. Y, pero una imagen muy, muy simbólica es que cuando Felipe Calderón inicia su sexenio en 2006, lo que hace en la primera semana es que va al cuartel militar y él mismo se pone el traje de militar, y es cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, y habla con un discurso directo de vamos a hacerle la guerra al narcotráfico y los vamos a aniquilar, prácticamente declara una guerra, ¿no? Es ahí que el ejército empieza a tomar un papel cada vez más importante en la vida política de México en los últimos años, ¿no? El ejército sale a las calles. Que le président, en fait, c'est le chef des armées, et que en gros, il a parlé de que en 2006, donc quand il y a la guerre contre le narco qui est annoncée, en fait, c'est Felipe Calderón, le président, qui va au cartel militaire, enfin, et qui se met le costume
chef des armées, et qui dit on va faire la guerre au narcotrafic, et qu'en gros il dit qu'à partir de là ça a donné à chaque fois plus de place en fait à l'armée qui arrive dans la rue et qui arrive, et enfin même en fait, enfin bon, je rajoute par rapport à ce qu'il a dit, mais qu'en gros quand on dit que la police est corrompue, du coup c'est l'armée qui intervient. Et que voilà, donc enfin pour répondre à ta question, je pense qu'elle avait pas vraiment, c'est pas l'armée qui avait le pouvoir, mais qu'à chaque fois elle prend plus de place en fait dans la vie politique. Mais voilà, c'est le président qui dirige. C'est le président qui dirige. Et desde 2006 à la fecha, l'ejército está en las calles. Yo te puedo decir, por ejemplo, que es normal en el Estado de México que tú vayas en tu carro y te detenga la... Hay una cosa que se llama bases de operación mixta, que son retenes en las calles. Entonces, es posible que vayas tú por la calle y te detenga uno de estos retenes y está la policía, el ejército y la policía federal. Entonces, lo que ha ocurrido en México es que de 2006 para acá las violaciones a derechos humanos por parte del ejército han sido, no se pueden contar, han sido innumerables, ¿no? El ejército ha recurrido en violaciones a mujeres, ha asesinado extrajudicialmente, y muchos hablan de que el ejército se ha desgastado con la institución, ¿no? Lo que pasó justamente en Ayotzinapa muestra eso, ¿no? Porque también hay que decir que en la masacre de Ayotzinapa, a unos metros, se encontraba el ejército, el batallón número 27. Entonces los estudiantes ahora narran cómo el ejército se acercó a ellos, ¿no? Hizo un cerco para que los policías pudieran masacrarlos, y además el ejército los empieza luego a amenazar, ¿no? Y les dice que si eran valientes, que ahora se aguanten. Total, hubo una intervención directa del ejército en la masacre también. Donc ce qu'il a dit, c'est que donc maintenant comme l'armée est dans la rue, en fait c'est pas rare de voir des barrages de militaires qui t'arrêtent n'importe quel moment et qu'ils te contrôlent, et que du coup depuis les violations des droits de l'homme par l'armée sont multipliées par centaines, donc assassinats, viols, enfin toutes sortes de délits. Et après il dit aussi que dans le cas d'Ayotzinapa, en fait donc c'est la police qui a massacré, mais en fait quand les étudiants sont allés voir l'armée pour leur dire on est en train de se faire tirer dessus, et donc ils n'ont pas réagi, et même plus ils ont même encerclé en fait pour qu'ils puissent se faire massacrer tranquillement, quoi. Et même du coup c'est hyper cynique, mais le procureur de la République en fait avait réagi, parce qu'au début il disait non, l'armée n'a rien fait, elle n'était pas là-bas. Et elle avait fait, mais il avait dit lui-même, même le procureur avait dit, mais heureusement qu'il n'était pas, parce que sinon ils auraient aidé au massacre, quoi. Enfin, que c'est carrément intégré par tout le monde, quoi. Bueno, es una buena pregunta, porque no se sabía qué iba a pasar exactamente, ¿no? Pero lo que sí se sabía es que el gobernador de Iguala, José Luis Abarca, ya se sabía que él era parte del narcotráfico, ¿no? Se sabía, por ejemplo, que su esposa, toda su familia es del narcotráfico, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2009 fueron detenidos sus papás, y fue una declaración del gobierno, ¿no? Se sabía eso, y también se sabía que el gobernador que masacró a los estudiantes había participado unos meses antes directamente, o sea, él directamente había participado en el asesinato de cuatro activistas en Guerrero. Se sabía además porque había denuncias, y las denuncias, por tratarse de un crimen, del fuero federal, tuvieron que haber sido asumidas por el presidente. Entonces el presidente no hizo nada. Entonces no sabían que iba a ocurrir esto, pero sí sabían que el gobernador era narcotraficante, y sabían que era posible esto, y sobre todo, y lo más importante, es que se pudo haber evitado. ¿Sí? Y, solo para traducción, ¿Abarca es alcalde o gobernador? El alcalde. Alcalde. Donc il dit que, enfin, que c'est une bonne question, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que
Donc on savait pas exactement, enfin personne ne savait exactement ce qui allait se passer, non. Donc ce qu'il dit, c'est que c'était peut-être, c'était pas quelque chose préparé de sang-froid depuis le début, que ça allait se passer comme ça, qu'il allait avoir 45 disparus et tout. Ce qu'il dit, c'est qu'on savait que le maire et que sa femme étaient liés avec le narcotrafic, parce que même la famille de sa femme, en fait, a déjà été condamnée, en fait, comme participant. Et que le propre maire, lui, il y a quelques mois, en fait, il était suspecté, enfin, il y avait une recherche sur lui, comme quoi il aurait tué, mais de sa main, quatre activistes, en fait. Et que pour être un maire, du coup, ça c'est un crime fédéral, et que du coup forcément le président il devait savoir qu'il y avait ses liens, en fait. Enfin, tout le monde le savait, en fait, du coup il dit que bah, ça aurait pu être évité et que ouais. Ah, et también, así como este alcalde tiene, digamos, esa característica, hoy en día el propio gobierno asume que, al menos en Guerrero, el 70% de los municipios tienen un gobernador como este. Que dit que le gouvernement aujourd'hui reconnaît que au moins 70% des maires de l'état de Guerrero sont comme celui de Iguala, quoi, qu'ils sont liés avec le narco et qu'ils sont complices et que... Desde que llegó Peña Nieto al poder, lo primero que hizo fue para tratar de tener, como no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, lo que hizo fue algo que se llama Pacto por México. Entonces, el Pacto por México fue un acuerdo que firmaron los tres principales partidos políticos de México para echar adelante un paquete de 11 reformas estructurales, que era educación, trabajo, salud, hacendaria, telecomunicaciones. Quand Peña Nieto est arrivé au pouvoir, donc en 2012, il n'avait pas la majorité dans la Chambre des députés et des sénateurs. Et du coup, ce qu'il a fait, ça s'appelle le pacte pour le Mexique, qui a été signé par les trois grands partis au Mexique, donc le PRI, le PAN et le PRD. Et qui suppose une série de 11 réformes, donc de travail, de santé, de l'éducation, de l'énergie fiscale. Alors, donc, en el año de 2012, justamente sabiendo esto, que se venían un paquete de reformas muy grandes, es cuando tomó forma el movimiento Yo Soy 132, que básicamente denunciaba que si llegaba Peña Nieto, pues iba a terminar con un proyecto de neoliberalismo que había empezado a finales de los 80 en México y que incluían las últimas reformas que faltaban, que básicamente era la de telecomunicaciones, la energética, la educativa y la del trabajo. Et donc, enfin, même avant du coup que Peña Nieto arrive au pouvoir, c'était un peu les revendications qu'il y avait par le mouvement Yo Soy 132, enfin pas tous, mais qu'en général ils savaient qu'avec Peña Nieto allait arriver tout ce paquet de réformes néolibérales qui a commencé à se mettre en place dès le début des années 90 au Mexique, mais que ça allait justement un peu parachever ces réformes néolibérales. Y entonces sí, claro, por lo tanto el cuestionamiento a estas reformas no solamente están ahora, sino que estaban desde que estaba el movimiento Yo Soy 132, más recientemente, y tiene mucho que ver con Ayotzinapa, porque, por ejemplo, los estudiantes normalistas, hay que entender que para la reforma educativa son un obstáculo. O sea, la reforma educativa ya pasó en México, y lo que se hizo primero fue reprimir a los profesores, ¿no? Eso pasó en el 2013, hubo represiones muy fuertes a los profesores, y por lo tanto luego seguían los estudiantes, y las escuelas normales rurales son un proyecto de educación que es bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, que son escuelas para campesinos. Entonces, son escuelas que tienen programas de educación socialista. Oui, c'est vrai, après je vais me perdre. Mais que du coup, les, disons que les,
critique aux réformes néolibérales n'ont pas commencé que maintenant, en fait. Ça fait déjà quelques années que ça commence. Et que Ayotzinapa n'est pas, enfin, a des liens avec ces réformes, en fait. Parce que, justement, les étudiants qui sont disparus sont des étudiants politisés et qui en plus étaient un obstacle en fait à la réforme éducative en fait. Même depuis 2013, ça a été une année où tout le mouvement des professeurs et des gens qui travaillent dans l'éducation ont été vachement réprimés et que il faut comprendre que Ayotzinapa, bah, c'est un cas spécial, parce que, enfin, c'est un cas spécial, disons que c'est le cas des normales rurales, donc c'est à la campagne, c'est, en gros c'était un projet qui a eu après la révolution mexicaine, donc dans les années 30, pour permettre l'éducation dans la campagne, et qu'ils sont, ont toujours été politisés, et un peu un obstacle au néolibéralisme. Donc, pour un lado, las reformas, y por otro lado, las masacres como Ayotzinapa, lo que dejan ver es cómo se está llevando en México la modernización y el progreso, ¿no? Las reformas no son populares, no son democráticas, por lo tanto se requiere de fuerza pública para llevarlas a cabo. Pero el gobierno cuenta con militares, pero también cuenta con paramilitares, que son los narcotraficantes, son sicarios. Lo que vemos en Iguala es cómo el gobierno, por un lado, permite a grupos criminales no solamente traficar drogas, sino tener puestos de poder. Y por otro lado, usar a esos grupos armados para reprimir a sectores opositores como los estudiantes. Donc, ces réformes, en fait, elles sont pas populaires. Et le massacre qu'il y a eu, en fait, c'est un des aspects, dans le sens où ça montre aussi que pour imposer les réformes, en fait, il y a non seulement l'armée, mais il y a aussi un autre bras armé qui est les paramilitaires, en fait. Et qui, ces paramilitaires, en fait, sont des narcos. Et ce qui explique pourquoi l'État laisse, finalement, non seulement laisse faire qu'il y ait du trafic de drogue, laisse trafiquer la drogue, mais laisse faire que des gens qui trafiquent la drogue arrivent à des postes aussi hauts que maire, gouverneur d'État. Non seulement ils arrivent à ces postes, mais qu'en plus, en fait, ils s'en servent aussi au moment de réprimer les mouvements sociaux, en fait. Et comme ça, c'est un moyen de dire, c'est pas nous, c'est les narcos. Mmh. Ah, c'est la forme en la que están llevando a cabo el paquete de reformas. Y es importante esa pregunta porque en menos de 20 meses, el gobierno de Peña Nieto llevó a cabo casi todas las reformas que tenían. Casi todas las reformas que no se hicieron desde el 89, desde finales de los 80s que empezó el neoliberalismo, el gobierno de Peña Nieto las llevó a cabo en menos de 20 meses. Entonces, como son reformas energéticas, laborales, educativas, de telecomunicaciones, son reformas que reconfiguran todo el Estado mexicano, por lo tanto afectan a todos los sectores de la sociedad. Entonces, esto al mismo tiempo lo que genera es que los movimientos y las movilizaciones cuenten con el apoyo de casi todos los sectores. C'est important ta question, parce qu'en fait, pour faire ces réformes, Peña Nieto, en 20 mois, donc en 2 ans, en gros, il a réussi à faire autant de réformes, enfin presque toutes les réformes qui manquaient depuis l'ère néolibérale, quoi. De faire 10 réformes en 20 mois, c'est énorme, quoi. Et que c'est un peu grâce à ça aussi, grâce à l'appui sur le narcotrafic qui peut en mettre en place tout ça. Et que comme ces réformes sont aussi impopulaires, c'est pour ça aussi que le mouvement est aussi grand, en fait. C'est que parce que ça touche tous les secteurs de la société. Et parce que ça restructure tout l'État, enfin l'État et l'économie telle qu'elle est au Mexique, quoi. Ouais. Bueno, para... Yo creo que el movimiento se organizó con lo que ya estaba. Entonces, lo que ya estaba en Guerrero son organizaciones populares que llevan muchos años luchando, que son básicamente profesores y estudiantes que son herederos de la guerrilla, y organizaciones de base muy popular. Eso es lo que tenemos en Guerrero. Y lo que tenemos en el centro de México son asambleas estudiantiles, ¿no?
Entonces, c'est... Que, en gros, l'organisation du mouvement s'est faite sur bah, ce qu'il y avait déjà, en fait, sur les, ce qu'il y avait déjà comme base de fonctionnement. Et donc, Agrero, c'est surtout des mouvements populaires et de maîtres d'école, enfin, de, ouais, de, je vais y arriver, de professeurs. Et aussi tout un mouvement qui vient de la guérilla qui a eu dans les années 70-80 et qui était très forte à Guerrero, donc sur une base assez populaire. Et dans le centre du pays, donc surtout pour ce qui est de la ville de Mexico, elle se base surtout sur l'organisation des universitaires en fait, et des étudiants. Et à part de ça, les configurations politiques sont très différentes. En el sur de, las, de México, en el centro y en el norte. Lo que tenemos en el sur son, sí son grupos más radicales, pero también son grupos que se han formado en el marxismo más, más dogmático que tiene mucho que ver con el estalinismo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudiantes que son estalinistas y eso les lleva a una forma de luchar. Y más en el centro de México, lo que tenemos son más, hay muchas universidades públicas, pero el problema es que las universidades públicas en los últimos años se han elitizado. Entonces, ahora es más difícil que un estudiante de bajos recursos logre acceder a una universidad pública. Entonces tenemos, por un lado, digamos en el sur, las agrupaciones más radicales, pero en el centro del país hay los estudiantes también pasan por un proceso de elitización y de reivindicaciones muy reformistas. Donc il y a différentes donc formes de lutte aussi par rapport aux régions et que du coup il dit que dans le sud bah oui, il y a les gens sont plus radicaux en général, enfin les tendances politiques sont plus radicales mais on sont aussi enfin se sont aussi formés dans le marxisme le plus dogmatique. Enfin, il y a beaucoup de stalinistes et que du coup, ce qui fait que bah, ils ont une forme de lutter qui est assez, enfin, assez violente et qui a donc ses critiques et que et après, par exemple, tout ce qui est pour ce qui est du Mexique, en général, les mouvements sont des universités publiques. Sauf que ces dernières années, il y a eu beaucoup donc ils parlent d'une élitisation. Je pense pas que ça, je sais pas si ça existe en français ou pas. Mais bon, des universités publiques, c'est-à-dire que c'est plus difficile maintenant pour les secteurs populaires d'accéder à l'université et que du coup, dans les universités publiques, il y a un peu plus... Enfin, les positions sont beaucoup plus réformistes. Sí, una parte muy importante, pero yo, también dentro de las universidades es donde muchas veces encontramos los sectores marxistas con más claridad. Y entonces, digamos, la tarea política que tenemos hoy en día desde el socialismo, desde el comunismo, es enfrentarse con, por un lado, con un sector muy grande que tiene reivindicaciones muy reformistas, como por ejemplo pedir que hagan pedir que encarcelen a los policías que participaron y ya nada más, ¿no? Entonces, tenemos que dialogar con ellos, pero también tenemos que dialogar con un sector que también cada vez adquiere más peso, que son, digamos, jóvenes que participan desde el anarquismo y desde el estalinismo. Entonces, básicamente ese bloque político se puede resumir en acciones directas, ¿no? Uh-huh. Son los que cada marcha quieren, digamos, ¿cómo decirlo? Reivindican acciones directas, pero no de manera democrática. Et que donc, en gros, qu'ils doivent faire face en fait un peu bah, de front. Enfin, en gros, si je résume pour la position plus radicale dans le DF, enfin dans le centre du pays, c'est que à la fois il y a des positions très réformistes qui sont de demander justice et en prison ceux qui ont fait les faits et c'est tout et on ne demande rien d'autre et qu'en même temps ils doivent affronter aussi le fait qu'il y ait des
revendications plus radicales, mais qui du coup viennent de l'anarchisme et du stalinisme qui se mélangent un peu bizarrement, mais voilà. Et qui en gros, eux, font des actions directes sans consensus démocratique. Y bueno, también tenemos a, claro, últimamente lo que hemos visto es cómo se ha sumado el EZLN al movimiento, ¿no? Y a través del EZLN es como se ha podido aglutinar a los pueblos que están luchando por la tierra, contra las represas, contra las mineras, a los profesores, a los normalistas, ¿no? Digamos que creo que por ahí va la vía radical, sin sectarismos, ¿no? Et il dit que bah, dernièrement on a vu aussi l'intervention donc de le ZLN, enfin des apatistes, et qui permet en fait de réunir un peu des gens très divers, donc des paysans qui luttent pour leurs terres, de ceux qui luttent contre les mines par exemple, de professeurs, de travailleurs, et que justement qu'avec les apatistes s'ouvre aussi une possibilité de lutte radicale sans sectarisme non plus. No, es importante porque la represión a los estudiantes de Ayotzinapa hay que entenderlo que es una represión a todo lo que es una represión a todos los sectores que últimamente se han organizado en México, entre ellos las autodefensas. La masacre estudiantil de Ayotzinapa se da en un contexto en el que las autodefensas, una parte se ha cooptado por el gobierno y la parte más radical, las autodefensas que sí obedecen al pueblo, están actualmente los líderes están en la cárcel, ¿no? En ese contexto es donde sucede la represión de Ayotzinapa. Donc il dit que la répression de Ayotzinapa est dans un contexte bien particulier, qui est celui aussi bah, de la répression de formes d'organisation, donc des étudiants, mais aussi des autodéfenses. Et qu'après, c'est un thème un peu compliqué, les autodéfenses, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été cooptés en fait, par le gouvernement, et d'autres qui sont donc qui obéissent au peuple, et donc qui sont vraiment radicales et qui luttent, quoi. Mais je pense que le problème, c'est justement de les différencier, parce qu'il y a aussi beaucoup de propagande qui essaye de montrer que les autodéfenses, c'est des narcos aussi, quoi. Et que du coup, au niveau de l'information qui arrive, c'est très compliqué de discerner le vrai du faux, et qui est quoi, et qui... que decía que también es muy complicado ver, o sea, discernir, ¿no? ¿Cuáles son cooptadas? Sí. ¿O cuáles que también el gobierno dice que autodefensas son los narcos? Entonces, sí. Entonces es como muy complicado. Sí, bueno, antes era, cuando empezó el movimiento de las autodefensas, era muy complicado saber cuáles eran del narcotráfico, cuáles eran del gobierno, cuáles eran agrupaciones populares realmente, pero hoy en día queda más claro, ¿no? Entonces lo que sucedió con las autodefensas fue que básicamente en Michoacán, que es un estado de la República que ha sido azotado por el narcotráfico, entonces en Michoacán tenías a regiones enteras que no contaban con autoridad porque los gobernadores se habían escapado. Entonces no había ni policía, no había ni gobernador, había un vacío de autoridad. Y es en este vacío donde las autodefensas empiezan a... no solamente a armarse, sino también a decir que queremos autogobierno, ¿no? Entonces hay autodefensas que son autogobierno y también policías comunitarias. Ahí. Sí. Et bon, il dit que en fait avant c'était très dur de les différencier, mais que en gros en fait les autodéfenses, il y en a beaucoup dans l'état de Michoacán, qui est un état pas très loin du Guerrero d'ailleurs. Ou qui a beaucoup de problèmes de narcotrafic, il y a beaucoup de trafic de drogue là-bas, parce qu'il y a un port et parce qu'il y a aussi beaucoup de production. Et qu'en gros,
et qu'il y avait beaucoup de villages où il y avait un vide de ville ou de village et un vide de pouvoir, quoi, que le maire ou la police s'en allait et que du coup les gens prenaient, enfin pas seulement de... ne s'armaient pas seulement mais aussi s'auto-organisaient et voulaient s'auto-gouverner. Oui. Et... También lo que tenemos en Guerrero es la CRA, que son defensas más importantes de México. En Guerrero, y la CRA luchaba junto con los normalistas, o digamos, sostiene una lucha unitaria. Pero lo que, digamos, a la estrategia que recurrió el gobierno fue justamente a dividir a las autodefensas que sí trabajaban para el pueblo. Y lo que tenemos hoy en Guerrero es que tenemos una policía comunitaria dividida, ¿no? Hay encarcelados y hay unos que han sido cooptados por la policía. Hay policías que eran de las autodefensas que ahora son parte de la policía federal, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy en día es que en Guerrero la policía comunitaria, que además reivindicaba un autogobierno, está dividida y en la represión, y tenemos a estudiantes que están masacrados En gros, à Guerrero aussi, il y avait des autodéfenses qui s'appellent la CRAC et qui est une des organisations les plus connues et qui était vraiment une organisation de base. Mais ce qu'a fait le gouvernement, c'est aussi de les diviser. Et que justement, la CRAC travaillait avec les normalistas, donc les étudiants qui allaient devenir instituteurs. Et que ce qu'a fait le gouvernement, c'est les diviser en fait. Et du coup, en gros, il y en a beaucoup qui ont été envoyés en prison, et d'autres qui ont été cooptés par la police, et même certains qui sont maintenant, qui font partie de la police fédérale en fait. Enfin, qui étaient... Et que du coup, avec des organisations d'autodéfense complètement divisées, et avec des luttes de pouvoir très grandes, et qu'on se retrouve avec des massacres et des étudiants qui disparaissent aussi, quoi. Pues esa propuesta se hizo en octubre en la Asamblea Nacional Popular. Que fue en Guerrero, y hasta donde tenemos entendido, bueno, a esa Asamblea Nacional Popular, las fuerzas más que hacen más presencia en la Asamblea Nacional Popular son los profesores, que están organizados en la CETEC y en la sección 9 de la CENTE, y claro, los normalistas y los familiares de los desaparecidos. Ellos más un montón de organizaciones populares, básicamente del sur. Entonces ahí fue donde se acordó impulsar un gobierno obrero y popular. Pero también se está esperando a que, digamos, se sumen las correlaciones de fuerzas necesarias para lanzar la convocatoria, para lanzar la invitación. Se decidió trabajarlo. Se decidió, digamos, no decretarlo, pero sí irlo trabajando y esperar a que haya la correlación de fuerzas necesarias. Cet appel au gouvernement ouvrier, dans ce quoi, aussi ouvrier populaire, s'est fait à partir de l'Assemblée nationale populaire, donc à partir de Guerrero, où il y a beaucoup de secteurs de profs et de paysans. Et donc elle s'est faite depuis octobre. Et sauf que en gros l'idée c'est que de pas lancer l'invitation avant qu'il y ait une corrélation de force, donc, comme on dit en français. Convergence. Une convergence de force. Mais que du coup ça serait un thème qui serait en travail, quoi, que du coup ça continuerait à se travailler au niveau que se travaillerait non seulement en Guerrero, qu'au niveau national ils allaient le travailler, quoi. Sí, y están convocando a formar asambleas populares por estado. Okay, se está convocando ahora. Et qu'en gros, ils convoquent à des assemblées populaires par État.
en gros pour pouvoir avoir une idée de ce qui est... Pero eso va a ser muy difícil porque, el problema que hay en México es que no hay una organización permanente. Por ejemplo, en las universidades no es como en Francia que hay sindicatos o en España que hay federaciones y son permanentes. En México no, en las universidades no... no son organizaciones que surgen en momentos como estos, ¿no? Pero que cuando desaparece el conflicto se diluyen. Entonces no hay una base organizativa, no hay una base donde se permitan acumular experiencias, no hay organizaciones vecinales, populares, y es muy difícil construir un gobierno con una base que es un poco líquida. Que en fait le grand problème au Mexique c'est qu'il n'y a pas vraiment d'organisation permanente en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un contexte politique qui le requiert, il y a des grands mouvements qui sortent, mais qu'il n'y a rien de très solide quoi. Et que c'est plus... et que du coup il dit que c'est compliqué de baser un gouvernement sur des mouvements qui sont liquides, enfin même il a l'emploi des mots liquides, enfin, parce que c'est fluide et que du coup c'est pas, que c'est pas très solide. Sí, sí la hay, pero el, por ejemplo el último, la última experiencia que tuvimos es este, fue el movimiento Yo Soy 132. Entonces en México, creo que lo que suele pasar mucho es que los problemas nacionales, como cuando hay problemas de elecciones, cuando hay problemas de que están metiendo las reformas estructurales, por lo general son los estudiantes los que salen a protestar, ¿no? Pero también nos damos cuenta que no somos el pueblo, ¿no? Y siempre tratamos de decir, tenemos que ir a las calles, tenemos que formar asambleas populares. Y en el movimiento Yo Soy 132 lo intentamos, pero es muy difícil porque por ahí es donde se nos ha metido el gobierno con la infiltración, a través de las asambleas populares. Entonces es muy difícil porque no podemos recurrir a lo popular si lo popular no está organizado. Los campesinos, sí, perdón. En gros, il dit que oui, il y a une volonté de faire une coordination d'assemblée populaire, mais aussi, en fait, le problème, c'est que, justement, comme il n'y a pas d'organisation qui soit très fixe, en général, c'est quand il y a un problème national, donc des élections, des réformes néolibérales qui sortent, que du coup, en général, c'est d'avoir les étudiants, en fait, qui sont un peu, pas l'avant-garde, mais qui se mobilisent et qui disent faut sortir dans la rue. Donc, par exemple, ce qui s'est passé avec Yo Soy 132 il y a deux ans, c'est qu'ils se sont dit, bon, bah, il faut aussi aller dans la rue, rencontrer les gens, et que les gens puissent s'organiser. Parce que c'est aussi par les assemblées populaires qui sont créées que le gouvernement s'est introduit, a fait des infiltrations, et que du coup, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer pour eux, et que surtout dans la mesure où justement ces assemblées populaires ne sont pas organisées à la base, en fait, et que... qu'ils comprennent bien l'importance finalement qui est de demander aux gens et que d'aller dans la rue, mais que du même côté et ben c'est un peu une faiblesse aussi parce que c'est par là que s'introduisent les partis ou la police. Sí, digamos el problema con el que nos vamos a enfrentar es que en México han sido liquidadas las organizaciones de todos los sectores, de prácticamente todos. Entonces los trabajadores ya no están en sindicatos, sino que hay trabajadores que laboran por tiempos temporales y se mueven de una empresa a la otra, y no hay mucha organización de trabajadores. Las agrupaciones de campesinos están totalmente cooptadas, los estudiantes no tienen una organización permanente. Entonces para la formación de un gobierno va a ser pues, muy difícil. Et du coup, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats par exemple, dans le travail, enfin, il n'y a pas beaucoup d'organisation du travail aussi parce qu'il y a une grande flexibilité, grande précarité et que du coup, c'est très difficile d'avoir des organisations. Qu'au niveau des paysans, il y a une très grande cooptation au niveau des partis, de la police, enfin, que les organisations paysannes aussi sont souvent très.
cooptées et que comme les étudiants n'ont pas de structure fixe, bah, que finalement c'est une situation qui est assez compliquée. Pour penser justement en termes réels au gouvernement, enfin à une forme de gouvernement, enfin réel et rapide, quoi. Bueno, desde que el gobierno dio la versión de que había logrado capturar a tres sicarios que habían participado en la desaparición y que habían confesado y además de que habían encontrado una muela de un estudiante, desde ese momento el gobierno comenzó con un discurso de se está haciendo justicia y el presidente llegó a decir ya supérenlo, ¿no? Esta vez en Año Nuevo di un discurso de, bueno, vamos a empezar, es Año Nuevo, ánimo, ¿no? Sí, fue horrible, pero México tiene que salir adelante. Y entonces ha sido una estrategia del gobierno para, por un lado, pues acallar internacionalmente las noticias y al interior a reprimir, ¿no? Entonces esas dos fuerzas, pues por lo que han derivado es que la prensa hable menos de lo que está pasando, pero la realidad es que el movimiento no solamente no ha perdido fuerza, sino que se ha incrementado. Apenas, además se han sumado muchos sectores. Apenas el día de ayer comenzó prácticamente un movimiento de trabajadores de la salud, de enfermeras, por la reforma en materia de salud. Entonces cada vez hay más gente en las calles protestando. Donc il dit que en fait depuis que le gouvernement a donné la version en disant bon bah on a trouvé trois narcos qui confessent, non pas confessent, qui avouent qu'ils ont tué et calciné les corps, et en fait depuis qu'ils ont dit cette version, en gros il dit bah la justice est en train de se faire et que du coup enfin qu'ils sont en train de faire leur travail en gros, et que et il a même dit sous peine, ça veut dire en gros remettez-vous-en quoi, enfin ouais c'était horrible mais bon l'année 2015 va être super, tout va bien se passer. Donc, et en fait ce discours permet de donner bah, une image à l'extérieur de ils sont en train de faire de la justice, donc enfin qu'au niveau des médias du coup on en parle moins, et aussi à l'intérieur permet de réprimer aussi plus facilement, non, parce que ceux qui continuent à gueuler en gros bah, il ferait mieux d'aller travailler quoi. Donc d'un côté il y a ça, mais que le mouvement n'a pas baissé en intensité et même il grandit en fait, dans le sens où par exemple en ce moment il y a des manifestations d'infirmières qui manifestent contre la réforme de ce qui est en termes de santé, des réductions du système de santé qui est déjà pas des plus efficaces, enfin pas des plus glorieux on pourrait dire. Sí, y además acaba de antier se celebró la octava Asamblea Nacional Popular y hay muchas acciones, tuvo mucha participación y se está convocando a la octava jornada por Ayotzinapa, que va a ser el 26 de septiembre. ¿De septiembre? Perdón, 26 de enero. Y entonces el movimiento sigue muy, muy fuerte. Ya hubo la huitième Asamblea Nacional. Et qui continuent à faire des actions et qui sont aussi en train de préparer la 8e journée d'action globale pour Ayotzinapa qui va être le 26 janvier. Y también algo que se me olvidó decirlo fue que en las últimas asambleas nacionales, en la Asamblea Nacional Popular, se convocó a no votar en el 2015, perdón, en las próximas elecciones a no votar y a boicotear las elecciones intermedias de 2015. Y que pendant la 8e Assemblée Nationale Populaire, ils ont appelé à ne pas voter pour les prochaines élections et à boycotter les élections de mi-mandat qui sont en 2015. Bueno, creo que por ahí escuchamos decir a François Hollande que invitó a Peña Nieto a venir. Como ya le invitamos a México a François Hollande, pues ahora va a venir
Peña Nieto, así que yo creo que desde Francia le pueden dar un buen recibimiento a Peña Nieto. Et que, en gros, François Hollande a invité Peña Nieto à venir, vu qu'il a été, Hollande a été il n'y a pas longtemps au Mexique, que du coup Peña Nieto va venir en France. Et en plus, va être l'invité d'honneur au 14 juillet, et que du coup, il dit qu'on pourrait lui réserver un bon accueil. Et comme passé en Estados Unidos, que Peña Nieto acaba d'aller aux Estados Unidos, il y a eu des protestes. Y tal vez no fueron tan grandes, pero en México, con que lleguen imágenes y con que lleguen noticias de que alguien por allá está protestando, eso tiene un impacto muy fuerte en el movimiento para mantenerlo vivo. Y bueno, eso yo creo que acciones de solidaridad y estar atentos a las jornadas globales por Ayotzinapa, que son todos los días 26 de cada mes. Pero eso en lo inmediato, ¿no? Yo creo que... pero a largo plazo me parece que la lucha desde acá, si desde Francia se lucha contra el Frente Nacional, contra el capitalismo, también se está luchando por otro mundo, porque al final de cuentas México está como está por gobiernos como el de Francia o gobiernos como el de Estados Unidos, ¿no? Porque al fin de cuentas todas las reformas que se están llevando en México son demandadas ya no por los gobiernos de los países del primer mundo, sino por las empresas de Occidente. Entonces me parece que si Occidente se modifica, también va a tener repercusiones en América Latina, ¿no? Yo creo que la lucha desde acá es al final la misma lucha en América Latina. Et bah, il dit que par exemple Peña Nieto a été aux États-Unis et qu'il y a eu des protestations, en fait il y a eu des manifs, et que même si elles ne sont pas très grandes, en fait pour les Mexicains et les Mexicaines c'est très important, enfin c'est des signes très forts de dire bah oui, même là-bas ils sont en train de protester, de faire des choses, et que c'est des signes qui sont très forts, qui sont envoyés. Et que sinon, donc il dit de faire, voir ce qui se passe, continuer à suivre ce qui se passe, voir ce qui se passe pendant les journées d'action globale aussi, d'envoyer du soutien. Donc ça serait à court terme, mais aussi à long terme, bah, que la lutte, elle se fait aussi chacun dans son contexte, et que en luttant en France contre la montée du Front National, contre le capitalisme, c'est aussi... c'est aussi lutter finalement pour que qu'il y ait pas des pour que les réformes néolibérales ne continuent pas à s'étendre et que des gouvernements, enfin voilà, parce qu'il dit que c'est pas que les gouvernements d'Occident ont aussi du poids sur ce qui se passe là-bas, quoi, et que du coup en changeant les choses ici on peut aussi changer les choses là-bas, et que la lutte est la même. Ici et là-bas.